Et maintenant, je vais examiner la force musculaire, notamment au niveau de votre biceps. Donc, vous allez fléchir votre avant-bras sur votre bras et vous allez résister, hein, contre ma force. Je vais essayer d'étendre. C'est parfait. Bien pour le muscle triceps, maintenant, dans cette position-là, vous allez m'empêcher, hein, de fléchir votre avant-bras. Résister. C'est parfait. Voilà, maintenant en position, voilà. Et résister. Ok. Mouvement des doigts. Essaye de bien faire ça. Résiste. Ok. Maintenant, les deux doigts en opposition. Ok. Très bien.
Bien, pour examiner votre sensibilité, on va examiner d'abord votre sensibilité au toucher. Donc avec cette épingle à nourrice, avec la base mousse, hein, je vais donc vous toucher. Vous allez me dire si vous ressentez quelque chose Ok. en fermant les yeux. Toucher. Toucher. Vous répondez oui ou non. Oui, Oui. oui, oui, oui. Oui. Ok, c'est bien pareil Oui. dans tous les sens. Tout à fait. Ok, de l'autre côté, même chose. Oui. 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 Main. Oui. 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 Ok. Bien, maintenant on va examiner votre sensibilité à la piqûre. Donc avec cette même épingle à nourrice, mais avec le côté piquant, vous allez me dire si vous ressentez le piquant de l'épingle. Vous mettez comme ça, fermez les yeux. Oui. 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 Ouais, Oui. ok. Oui. 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 Et c'est pareil des deux côtés. Ah oui. D'accord. Ici et ici, c'est pareil. Oui. Très bien. Oui. 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 D'accord. Oui. 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 La même Oui. sensation. Oui. 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 Ok. Bien, donc pour examiner la sensibilité au chaud et au froid, je vais vous appliquer un tube rempli d'eau chaude et un autre tube rempli d'eau froide. Et donc vous allez me dire successivement si vous sentez que c'est chaud ou c'est froid. Donc vous fermez les yeux et vous me répondez Chaud, chaud, froid, 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 chaud, même chose au niveau des jambes, donc. chaud, 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 froid, 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 chaud, chaud, froid. Très bien. En bas. En haut, en bas, en haut, en bas. Très bien. Quel sens? En haut, en bas, en bas, en haut.
et fermez les yeux. Vous allez me dire ce qu'il y a à l'intérieur de votre main sans ouvrir les yeux. C'est une clé carrée. Très bien. Pour examiner votre sensibilité et notamment la capacité à discriminer une piqûre, une sensation de piqûre, d'une sensation de toucher, avec l'aide de cette épingle à nourrice, je vais vous piquer et vous toucher en une région très proche l'une de l'autre et vous allez me dire si vous sentez la piqûre ou le toucher en fermant les yeux. Piqûre, toucher, piqûre. Toucher, piqûre, piqûre, je sais pas, piqûre, toucher. Très bien. Pour examiner votre sensibilité spatiale discriminative, je vais appliquer deux piqûres sur votre bras, d'abord de façon distante, et ensuite de façon un peu plus rapprochée. Vous allez simplement me dire en fermant les yeux si vous sentez une piqûre, un point de piqûre ou deux points de piqûre. Deux. Une. Une. Deux. Très bien. Bien, pour examiner maintenant ce que l'on définit par la sensibilité discriminative, qui est la topoesthésie, je vais vous demander de me dire quelle région je vais vous toucher avec un doigt. Tantôt, ça sera le bras droit, tantôt le bras gauche, tantôt l'oreille droite, tantôt l'oreille gauche, en fermant les yeux, évidemment. Bras droit, bras gauche, bras gauche, oreille droite, oreille gauche, bras droit. Très bien. Donc pour tester maintenant un autre type de sensibilité qu'on appelle la graphesthésie, vous allez garder d'abord les yeux ouverts et voir quel chiffre je dessine virtuellement sur votre main. Donc vous regardez bien sur votre main. Un 3. Très bien. Maintenant vous allez fermer les yeux et me dire quel chiffre très bien. Vous sentez représenté sur votre main. Quatre. Parfait. Bien, bah écoutez, maintenant on va tester votre sensibilité olfactive. Donc c'est un examen qui se fait narine par narine. Je vais vous faire sentir deux odeurs différentes. Vous allez me dire de quelle odeur il s'agit. Vous allez commencer par boucher votre narine droite, par exemple. Citron. Ok, très bien. Votre narine, boucher. Café. Ok, parfait.
Bien, donc maintenant on va examiner votre champ visuel. Donc pour ce faire, je vais mettre mes deux mains, une de chaque côté. Vous allez me regarder droit dans les yeux. Je vais bouger tantôt la main droite, tantôt la main gauche, tantôt les deux mains. Vous allez me dire quelle main bouge. Et vous allez au besoin me signaler la main qui bouge par un mouvement d'une main. Donc on y va, vous me regardez droit dans les yeux. La droite. Très bien. À gauche. Ok. À gauche. Ok. À droite. Ok. Les deux. Ok. À droite. Un peu plus. Ok. Vous me regardez toujours dans les yeux. À gauche. Les deux. Les deux. Ok. À gauche. Ok. À droite. Très bien. Parfait. Bien, on va continuer donc dans l'examen de votre champ visuel. Je vais vous donner pour ce faire maintenant un cache que vous allez appliquer sur l'œil droit et je vais examiner votre champ visuel uniquement de l'œil gauche pour commencer. Donc vous appliquez cette feuille sur votre œil droit et voilà. Alors de la même façon, vous me regardez droit dans les yeux et vous me dites quelle main bouge. Celle-là. Très bien. Celle-là. Parfait. Les deux. Ok. Là. Ok. Là en haut. Très bien. En bas. Ok. En bas. Très bien. Deux. Parfait. On fait la même chose de l'autre côté. Vous me dites quelle main bouge. Là. Très bien. Parfait. Les deux. Ok. Les deux. Très bien. Voilà, à gauche. À droite ou à gauche? Voilà, ici quoi. Ok, très bien. Ma gauche à moi. Ok, parfait. Les deux en haut. Ok. En haut à gauche pour moi. Très bien. À ma droite. Parfait, c'est très bien. Bien, donc maintenant on va examiner votre motricité oculaire. Pour ce faire, vous allez suivre cet objet dans tous les déplacements de celui-ci. Sans bouger la tête, évidemment. Ok. Bien, donc maintenant, on va examiner votre motricité oculaire volontaire. Et donc, pour ce faire, je vous dirai dans quel sens de l'espace il faut bouger vos yeux, sans bouger la tête, évidemment. Et vous exécuterez ces consignes. Donc vous allez commencer par, vous allez lever les yeux, parfait, vous revenez à la position de base, vous allez bouger les yeux vers la droite, très bien, vers la gauche, parfait, vers le bas, ok, en haut et à droite, ok, en haut et à gauche, ok, en bas et à droite, ok, en bas et à gauche. Parfait. Bien, maintenant, on va examiner vos mouvements de convergence oculaire. Donc, pour ce faire, je vais vous demander de suivre avec attention, sans bouger la tête, le bout de cet objet que je vais bouger derrière en avant. Donc vous fixez bien, fixez bien, fixez, 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 très bien. On recommence encore une fois, vous fixez, fixez le bout, fixez, 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 très bien, parfait. Bien, pour examiner le réflexe photomoteur, je vais vous demander de mettre votre main sur votre arête nasale, très bien. Et je vais stimuler tout d'abord l'œil droit, puis l'œil gauche, de façon à visualiser la réaction de la pupille. Et on va stimuler de l'autre côté. On visualise une contraction de la pupille, c'est parfait. Et maintenant, on va visualiser ce que l'on appelle le réflexe consensuel.
C'est-à-dire que lorsqu'on stimule d'un côté, on visualise normalement une contraction, c'est-à-dire un myosis de l'œil contralatéral. L'examen de la motricité du 5, donc du nerf trigémino, consiste à examiner l'innervation motrice du 5, c'est-à-dire les muscles masticateurs, en l'occurrence les muscles massétaires, ptérygoïdes et temporales. Pour ce faire, je vais simplement demander à notre sujet de d'abord serrer la mâchoire, serrer les dents, et maintenant d'ouvrir la bouche, et je vais simplement, en ouvrant bien la bouche, plus grand possible, lui demander de serrer les dents, de rapprocher, de fermer la mâchoire. Voilà. Maintenant, je vais vous demander d'exercer d'autres types de mouvements qui sont commandés par la septième paire crânienne. C'est surtout des mouvements d'expression du visage. Donc, vous allez lever les sourcils vers le haut. Ok, résister. Vers le haut. Ok, très bien. Vous allez maintenant froncer les sourcils, très fort. Ok, parfait. Vous allez maintenant fermer les yeux très fort. Vous m'empêchez de les ouvrir, ça c'est parfait. Et maintenant vous allez faire un mouvement comme si vous faisiez un bisou, une bise. Ok. Vous allez faire le même type de mouvement mais en gonflant les joues. Gonflez les joues. Gonflez, gonflez. Ok, très bien, parfait. Pour examiner votre motricité linguale, je vais vous demander tout simplement d'ouvrir la bouche, tout d'abord, et de tirer la langue droit devant vous. Très bien. Et tournez la langue maintenant vers la droite, vers votre droite, vers la gauche, tournez bien la langue vers la gauche, vers le haut. La langue vers le nez, on va dire le plus possible, et vers le bas, en allant vers le menton, très bien. Bien, maintenant, on va s'assurer de l'intégrité de la huitième paire crânienne, notamment en recherchant un nystagmus. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de garder la tête bien droite, et vous allez fixer cet objet qui est placé à un peu moins de 60 degrés par rapport à l'axe central. Ok, donc l'important c'est de constater quand tout est normal qu'il n'y a pas de mouvement particulier tant de l'œil droit que de l'œil gauche. Vous allez également fixer pour l'autre côté. Ok. 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 Pour examiner simplement votre audition, je me place donc derrière vous et je vais frotter mes doigts d'une main droite, de la main droite ou de la main gauche, et vous allez me dire de quel côté vous entendez. Très bien. Alors, à droite. Parfait. À gauche. Très bien. Des deux côtés. C'est parfait. L'examen de l'audition peut aussi se faire avec l'aide d'un diapason que je vais faire vibrer. Tout d'abord en le positionnant tout au-dessus de votre tête et au milieu. Vous allez simplement me dire de quel côté vous entendez le bruit du diapason. Au milieu. Très bien. Et maintenant, on va examiner votre audition également avec ce diapason. Je vais le faire vibrer et l'appliquer sur votre mastoïde, la partie osseuse, évidemment. Vous allez entendre en principe une vibration. Dès que vous ne l'entendez plus, vous me le dites et à ce moment-là, je déplace ce diapason devant votre oreille. Et en toute logique, vous devez, la réponse normale, vous devez entendre encore une vibration. Donc, on va pour ce faire démarrer.
J'entends plus. J'entends. Très bien. Bien, maintenant, on va examiner votre sensibilité gustative, donc sur la partie antérieure de la langue. Vous allez ouvrir la bouche bien grand. Et j'ai sur ces deux petits objets une application de deux goûts différents. Donc, vous tirez la langue et vous allez me dire quelle sensation gustative vous ressentez. Sucre. Ok, très bien. De l'autre côté. Sel. Parfait. Bien, pour examiner d'une autre façon la motricité des 7e percrânienne, 9e et 12e, je vais vous faire dire quelques syllabes. Vous allez dire pa-pa-pa, la-la-la et ka-ka-ka successivement, plusieurs fois de suite. Pa-pa-pa, la-la-la, ka-ka-ka. Pa-pa-pa, la-la-la, ka-ka-ka. Pa-pa-pa, la-la-la, ka-ka-ka. Parfait.